Donc, bienvenue à la rencontre de la communauté de partage en informatique. Nous sommes le 27 février. Donc, on a plusieurs points à l'heure du jour. On va avoir des points avec Julie. Ensuite, on va discuter du cours INF 40-41. Donc, on va vous expliquer un peu là, en quoi consiste le cours. Il y a aussi une modification au niveau du prototype. Je ne sais pas si on peut en parler. On verra là, si on conserve après selon la discussion. Il y a le projet Exodus d'Alain. Donc, Alain, on t'a mis un point à l'heure du jour sans te demander ton avis. J'espère que ça va aller. Je ne suis pas vraiment inquiète. Ensuite, il y a les cours offerts dans les centres. J'ai eu une information par rapport à Mathieu Bérubé, qui ne peut pas être là ce matin, mais qui nous informe de matériel qu'il a fait. Et puis, si on a le temps aussi de discuter un petit peu du INF 5082. Donc, si vous avez des points à ajouter à l'heure du jour, vous pouvez les ajouter dans le document collaboratif. Marie-Josée Bibeau, qui est ma co-animatrice, va prendre aussi des notes et les notes dans le clavardage. Donc, c'est elle normalement qui devrait voir ça. Puis, vous pouvez toujours lever la main aussi pour poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux. Je pense que c'est… on est tous des habitués de VIA. Donc, mais si jamais vous avez des difficultés, prévenez-moi par rapport à poser des questions et tout. Donc, je vais laisser Julie. Est-ce que tu as des points à ajouter, des points à aborder pour les dernières infos? J'ai plusieurs petites choses à titre d'information. Je vais revenir un peu là sur la dernière rencontre qu'on avait eue. J'étais partie avec comme trois éléments à répondre. On avait une question sur formation de base orientante. C'est peut-être moins pertinent, mais en tout cas, je vais quand même répondre à la question parce que je pense qu'on cherchait une solution justement là pour des cours, une espèce de cours d'introduction en informatique là pour les étudiants qui arrivaient en secondaire 5 puis qui tu sais que c'était difficile là. Le saut avec l'ancien programme puis le nouveau programme, mais là, je pense qu'on a peut-être une meilleure solution avec les unités de secondaire 4. Bref, formation de base orientante, là, c'est vraiment un projet qui avait été mis sur place pour faire vivre aux adultes une transition entre la formation générale puis l'intégration socio-professionnelle. Puis, c'était vraiment, ça appartenait aux commissions scolaires. Okay? C'est pas une structure là, ministérielle. Là. Je sais qu'il y a certaines commissions scolaires qui ont fait des projets avec ça. Là, c'est comme un peu vieux. Là. Je sais pas si ça vit encore, là, mais c'était l'utilité de tout ça. C'est pas du tout l'utilité que moi, je pensais dans ma tête quand on s'est vu la dernière fois. Donc, c'est ça, c'était vraiment une structure pour les commissions scolaires. Ensuite, on avait parlé un petit peu aussi du carcéral. Ça avance tranquillement, là, mais il y a eu des choses de fait. Je ne sais pas si Jean-Simon est là, je ne l'ai pas vu dans la liste, là, mais il y a Jean-Simon Garner qui a participé à certains éléments avec ça. Puis tranquillement, là, on va essayer de pouvoir avoir une meilleure offre en milieu carcéral. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Moi, je voulais vous parler aussi que le prototype 50-78 est revenu de la révision linguistique et il a été transmis hier sa version française à la sanction. Fait que ça devrait là, circuler dans le réseau. Je ne sais pas les délais. Là, je suis trop récemment arrivée. Là, fait que je ne peux pas vous dire si ça va être la semaine prochaine, dans deux semaines, là, mais disons que c'est sous peu. Et c'est parti en même temps pour la traduction. La traduction des autres épreuves, c'est pas encore revenu. Ça semble là, vraiment causer un petit peu de difficulté là, aux gens de la traduction parce que si je regarde, par exemple, la 50-78, là, c'est 62 fichiers qu'ils reçoivent en même temps quand ils doivent traduire. Fait qu'ils ont beaucoup, c'est beaucoup d'éléments là, pour la traduction en informatique. Je n'ai pas de date à vous donner, mais j'ai demandé là, à ma coordination justement d'essayer de voir s'ils pourraient au moins nous donner un peu un calendrier. Je vous reviens là-dessus aussitôt que possible. Ensuite, on avait parlé justement là, de pouvoir offrir un cours, là, offrir des unités de secondaire 4. Louise va pouvoir en parler plus. Ça on a eu, vous avez le droit, là, la seule chose qu'on voudrait éviter, c'est que le niveau soit plus élevé là, que s'il prenait
un cours de premier cycle. Puis ça semblait être ça, là, ce que vous avez envoyé comme, disons, proposition. C'est pas mal, ça fait pas mal le tour là, de ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Julie. Est-ce qu'il y a des questions, Julie? Ah oui, j'ai oublié un élément. J'ai oublié un élément. Je suis à travailler présentement sur le site informatique. Là. J'aimerais bien ça qu'on le fasse vivre. Là. Disons qu'on commence à ajouter des éléments. Fait que je l'ai un peu restructuré. Je vais travailler avec Alain aussi là, pour voir une meilleure structure. Mais disons que j'ai fait mes armes avec le WordPress là, pour être en mesure de pouvoir ajouter des choses. Puis si jamais vous avez des choses à partager, que vous aimeriez partager, bien, ce serait intéressant que vous puissiez là, me dire, bon, ben Julie, tu pourrais faire un lien vers telle, par exemple, situation d'apprentissage, là, on pourrait ajouter ces éléments-là. Si vous avez une chance, là, c'est un peu en construction, là, fait qu'il y a des affaires qui ne sont pas tout à fait à bonne place, mais si vous avez une chance d'aller jeter un coup d'œil, puis de me dire, si vous avez des suggestions, là, de parties à ajouter, ben on pourra le faire aussi. Voilà. Est-ce que tout le monde sait où trouver ce site-là? En tout cas, je vais vous mettre le lien dans le chat parce que c'est comme pas évident hein, de le retrouver. Je vais vous le mettre, puis peut-être qu'on pourra essayer par la suite d'avoir peut-être une adresse un peu plus intéressante. On l'ajoutera aussi dans le document collaboratif. Est-ce qu'il y avait des questions ou des points à ajouter par rapport à ce qu'a dit Julie? Ça va donc? Oui, Marie-Josée? Hey, juste un petit rappel, vite, vite, là, parce que je prends des notes là dans le document collaboratif. Julie, quand tu as dit offrir des cours de quatrième secondaire, là, des unités en quatrième secondaire, tu as dit qu'il fallait pas que les cours soient plus difficiles que la FBC. C'est correct, là? Non, je voulais dire qu'il fallait que ce soit quand même d'un niveau un peu plus supérieur que qu'est-ce qu'on offrait en FBC, là, tu sais, qu'on ne redonne pas le même cours. C'est ça que tu avais compris, Marie-Josée? Ben là, j'aime mieux ça comme ça, là. OK. Je suis heureuse, là. OK. De toute façon, j'irai voir qu'est-ce que tu as écrit comme note, puis je compléterai, là, si c'est pas clair. OK, parfait. Je vais rajouter un point là, par rapport au cours 40-41. Je fais un petit historique de ça. C'est que dans une rencontre avec un gestionnaire, il parlait d'un cours qui… le côté administratif, je ne suis pas trop au courant, mais c'est la condition 89 qui est un cours qui permet à des gens qui ont obtenu un DEP de venir déclencher le DES des adultes en venant suivre un crédit de quatrième ou de cinquième secondaire aux adultes. En gros, c'est à peu près ça, puis il y a quand même pas mal d'élèves à chaque année qui viennent faire un crédit. Historiquement, on donnait le 50-56 pour ça, parce que c'était un cours qui se faisait rapidement puis que tout le monde pouvait faire sans préalable. Maintenant, avec le nouveau programme d'informatique, c'est plus possible de le faire comme ça, c'est plus compliqué. Puis c'est là que j'ai demandé, le gestionnaire, le directeur en question m'avait demandé si on ne pouvait pas avoir un cours d'informatique qui ressemble un peu à l'actuel INF 50-55, je crois, là, qui survole différents logiciels. Puis en même temps, bien, c'est aidant pour les élèves. Aussi, tu sais, c'est quelque chose d'utile. C'est pas juste un crédit pour déclencher un DES, c'est un crédit pour amener aussi, c'est un cours pour amener certaines connaissances qui vont être utiles. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de prendre ce qu'on fait comme mise à niveau, plus qu'a fait Alain avec le projet Exodus, plus ajouter peut-être des informations au niveau de la sécurité sur Internet, que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment développé, puis d'en faire un cours de quatrième secondaire, un crédit qui va permettre justement aux élèves qui ont besoin de ce crédit-là pour déclencher des SDEP, puis en même temps, ça va être notre cours de mise à niveau pour ceux qui vont faire de l'informatique de cinquième secondaire et puis qui n'ont pas de préalable. Donc, ça serait notre genre de cours qu'on pourrait monter, puis que tout le Québec donnerait un cours à peu près semblable, avec des adaptations locales, évidemment, mais qu'on pourrait monter comme ça. Donc, je vous le propose parce que parce qu'on a déjà beaucoup de matériel, on a déjà la mise à niveau, puis le projet Exodus, comment on peut monter ça, puis s'il y a quelqu'un qui est prêt à développer le côté
sécurité sur Internet, parce que, bon, dans la mise à niveau, là, on y touchait un petit peu, il y avait trois documents, j'y touchais un petit peu les droits d'auteur, tout ça, mais j'allais vraiment pas loin là-dedans. Puis, il y avait pas, puis dans la mise à niveau, c'est comme que de la théorie, il n'y a pas d'activité d'apprentissage ou très peu. Donc, ce n'est pas vraiment un cours, c'est plus une mise à niveau comme telle, qu'il va falloir aussi, évidemment, faire une évaluation. C'est ça, on va avoir besoin de bras et de tête pour faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, si Alain aussi est intéressé avec ça. Encore moi. Oui? Il y avait Marie-Josée. Ben, nous autres, on a développé quelque chose. Oui, c'est correct. On avait développé quelque chose, puis je me demandais, je vais aller mettre mon lien dans le document collaboratif. C'est sûr que ce sera le fun qu'on puisse faire ça, tout le monde. Merci. Il y avait Patrick? Oui, puis il y avait aussi, Alain, c'était quoi? C'était le 50-84 sur lequel on avait travaillé, qui était une mise à niveau aussi, là. Oui, oui. Mais c'était plus, tu te rappelles, c'était plus une approche par projet qu'on avait fait. Là, justement, tantôt, j'ai peut-être l'air d'être distrait, c'est que je cherche, j'ai fait déposer sur Alexandrie, puis là, je ne le trouve pas, là, parce que c'est drôle, il n'y a pas le sigle 50-84, et je ne l'ai pas dans la liste, je dois mal chercher, mais on l'avait déposé, mais c'était plus une approche par projet. Ce que j'aime, ce que j'aime de ce que Louise a fait, c'était vraiment comme une approche, tu sais, comme les trois volets, plus théorique, l'élève, dépendant de ses besoins ou de là où il est rendu, il peut faire, idéalement, il ferait les trois, mais il peut y aller peut-être un peu à sa guise. Là, d'après ce que je comprends, le 40-41, ça serait une version plus étoffée. Ça serait, dans le fond, pour y donner un 25 heures d'unité pour y reconnaître une unité de 4 qui va quand même servir à sa diplomation. Ça, c'est excellent. Puis ce qui est le fun, bien là, Julie, tu me rectifieras, mais je pense que les programmes locaux sont là pour rester. Ou du moins, ils ont peut-être juste changé de sigle, mais je pense qu'il va toujours en avoir, là. Ben oui, là présentement, ce qu'il y a en analyse, c'est les codes de cours qui ne seraient pas utilisés. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup là, en informatique qui ne sont pas du tout utilisés. Là. Puis, fait que c'est ça. Non, il n'y a pas de décision de prise. Puis oui, ils sont là pour rester, là, les programmes d'établissement. Là. Mais il y aurait peut-être un ménage à faire dedans. Moi, je parle comme de ma commission scolaire. Là, le 40-42, c'est 50 heures. Puis les élèves font du tape-touche. Si un élève est capable de taper 30 mots, ils vont donner le 40-42-2. S'il est capable d'en taper 60, c'est le 40-43-3. Ça, à mon avis, ça ne marche pas. T'sais, je veux dire, c'est d'accord avec toi. On peut continuer même indéfiniment. Fait qu'il y a peut-être un genre de ménage. Exact. Le ménage, c'est ça, c'est comme c'est local, c'est ils ont justifié, ils nous ont donné du... Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Nous autres, on n'a pas le contrôle sur le contenu que vous mettez dedans. Il faut qu'on fasse le ménage, mais c'est intéressant. Parce qu'une fois que... Exact. Mm-hmm. Parce qu'un coup que le ménage va être fait, on pourrait arriver, tous ceux qui ont participé dans leur commission scolaire, dire, regarde, nous, chez nous, il se fait ça, 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 qui est intéressant, le reste, on l'a flushé, fait que ça pourrait faire une mise en commun, comme tu dis, sur ton site aussi, que tu es en train de travailler, fait que ça serait un bon, ça serait une bonne mise en commun, je crois, qui serait facile à faire avec du matériel qui est déjà conçu. Bonne idée. On va s'enligner vers là, peut-être, Alain, pour avoir un certain ménage dans ces cours-là. Puis Julie, par rapport à, tu sais, si on utilise le INEP 40-41, puis qu'on décide d'en faire ce genre de cours-là, là, il n'y a pas de programme pour ce cours-là actuellement. Est-ce qu'on doit comme proposer un programme? Comment ça fonctionne pour ça? Non, vous avez pas besoin de proposer un programme. Là, il existe là, dans le système ce côté cours-là. Hein. Fait que vous autres, ce que vous avez à faire, c'est vraiment là, définir le contenu là, comme vous avez fait. Là. Vous autres, ne même pas avoir ça, ce contenu-là. Puis vous inscrivez vos étudiants dans ce code-là. Puis, ça va suivre là, son cours comme d'habituellement. Là. Mais c'est un, disons que c'est quand même, c'est un programme d'établissement, mais il appartient quand même au programme dans le même bain là, informatique. Là, okay? Je ne sais pas si je suis claire. Là, Oui, c'est beau. Je me demandais s'il fallait, si on propose quelque chose, est-ce qu'il fallait être plus structuré? Non,
Quand le code de cours n'existe pas, vous devez proposer. Mais là, comme il existe déjà, c'est que ma coordination m'a dit, ben, ils peuvent prendre ce code de cours-là, il existe déjà. Utilisez-le là, avec ce que vous vouliez faire. Là, c'est à vous de définir votre contenu. Mais c'est vraiment le contenu, c'est vraiment libre à vous. Là, c'est une commission scolaire par commission scolaire. C'est pour ça que ce serait intéressant peut-être mettre les choses en commun pour s'assurer d'avoir une certaine cohérence là, en commission scolaire. Oui. Il y avait Alain qui avait quelque chose à ajouter. Oui, Martine Leroux, elle avait fait pour ça fait longtemps, pour la FBC, une sorte de carte de référence pour se créer des programmes d'établissement dans lesquels on peut le rentrer si c'est fait en fonction renouveau. Nous, chez nous, notre patron, il a bien peur que Julie ou quelqu'un du ministère vienne vérifier ce qu'on fait. Donc, il nous a demandé de rentrer ça dans un template, un modèle déjà fait. Fait que, on a pris celui de Martine qui était avec Lorraine Boucher prenait pour des cours d'FBC, des programmes locaux. On a pris à peu près ça, juste les grilles qu'on a pris pour réadapter ce qu'on fait dedans. Fait que ça peut être intéressant. Fait que ça donne une sorte d'uniformité. Puis, si jamais on échange du matériel d'une place à l'autre, ben avec ça, ça donne on a le portrait global avec l'optique. OK, c'est l'optique FBC, mais ça peut quand même fitter là, pour l'optique FBD aussi. Là. Fait que ça, juste pour dire qu'il y avait de quoi que Martine avait fait. Merci, Alain. Donc, ce qu'on pourrait faire, peut-être ceux qui sont intéressés, on pourrait rajouter un point dans le document collaboratif, de dire ceux qui sont intéressés à participer, à monter ce genre de cours-là. Et puis, de quelle façon on va le diffuser. C'est sûr qu'on va probablement le diffuser sur Alexandrie, mais on va peut-être aussi, quelqu'un va être intéressé de le mettre sur un Moodle ou de le mettre sur un site, de mettre en ligne aussi. Puis aussi, faire une évaluation. Donc, on pourrait se faire une petite équipe de travail, se partager la tâche, se faire un genre de point de départ avec un cadre, justement, puis se partager la tâche. Donc, on va ajouter ça dans le document, puis on pourrait même faire un doodle éventuellement si on veut se rencontrer en visioconférence pour faire ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres suggestions là-dessus? Donc, ça ferait le tour du point INF 40-41. Le projet Exodus, Alain, tu dis? OK. Pour ce projet-là, ce que j'avais fait, ben, c'était justement, vu que mes profs aussi se disent, coudonc, il n'y a rien, les élèves arrivent en informatique FBD, c'est le seuil est trop haut pour eux autres. Moi, j'essaie de leur dire à mes profs, ben, vous allez faire de la FBC avec vos élèves, au moins le cours exploration de l'informatique, tu sais, ça serait au moins un minimum. Puis là, ils ne veulent pas, parce qu'ils disent que les élèves ne veulent pas faire. Fait que moi, au lieu de chicaner avec, on a fait comme tout le monde, on a fait des sessions d'apprentissage. Puis quand j'ai commencé à faire lui, ben toi, Louise, tu avais déjà entrepris ou tu avais à peu près fini ce que tu avais fait. Fait que moi, je n'ai pas voulu aller dans la même optique pour ne pas donner que l'élève, genre, fasse deux fois la même chose. Fait que j'ai trouvé que ce que tu as donné, là, pour les trois volets, c'est une solide base vraiment au niveau théorique puis pratique. Fait que je me suis dit, ben, si pour par exemple, ensuite, une fois que l'élève est assis, il a assis ses connaissances, il a assis ses compétences, tu sais que là, si on irait genre de sorte de jeu de rôle, puis fait que ce soit, fait que j'essaie par jeu de rôle où l'élève commence la première preuve, tu sais, ça va en gradation, ben, j'essaie de faire en gradation. L'élève, quand il commence un jeu de rôle, ben, c'est qu'on se rend compte, là, ça commence avec une fille qui voit une météorite dans l'espace, ça voit un point bouger. Elle dit c'est une étoile, puis elle veut donner son nom à l'étoile. Donc, on commence tout petit avec comme un téléphone cellulaire, une copie de téléphone cellulaire à l'écran que la personne va aller juste taper des lettres, dans le fond, taper des caractères. Ensuite, là, elle envoie son courriel. Son courriel lui revient. Son message texte. Là, c'est juste vraiment une petite ligne de texte. Après ça, c'est aller un petit peu plus loin, aller d'un courriel. La personne peut arriver, puis là, on lui fait renvoyer un courriel à un de ses amis que lui, c'est un reporter. Elle dit, j'ai vu quelque chose, peux-tu vérifier si c'est comment c'est que c'est? Fait que là, elle envoie le courriel, mais sauf que ce qui était le fun, j'ai fait une chose que ça s'envoie une réponse automatique. Donc, si l'étudiant met le bon mot dans l'objet du courriel, il reçoit une réponse pour lui dire, mais tu vas faire ça, ça, ça. OK, on a prévu le coup que si l'élève envoie mal son courriel, il y a quand même la suite aussi pour pas qu'il bloque après 10 minutes de travail. Donc, il commence par taper un petit texte quelques caractères. Après, il s'en va vers un courriel. Après ça, il fait rédiger une petite lettre de présentation dans laquelle il veut présenter son article. Après ça, il s'en va dans le tableur ou dans la base de données ou faire de l'infographie. Originalement, il s'en allait juste vers le tableur puis la base de données, mais Vanessa Boily a préféré qu'on
on ouvre plus large pour donner le choix à l'élève de quelle porte qu'il va prendre. Donc, tout ça, puis à chacune de ces étapes-là, il y a toutes des petites rétroactions. Pas la grosse chose, là, mais un petit retour réflexif sur chacune des étapes. Sur son courriel, comment ça l'a été, sur son traitement texte, comment c'était sur le tableur, sur la petite base de données en ligne. Donc, fait que le but de ça, dans le fond, c'est de mettre en pratique, puis de mettre en action tout ce qu'il y aurait vu dans les volets précédents de Louise, puis ici. Écoute, je ne sais pas si ça marche bien ou pas. Moi, j'essaie quelques élèves, puis je pourrais te dire, la réponse a été moitié-moitié. Il y en a qui ont aimé ça, puis ben, il y en a d'autres qui ça leur a pris 10 minutes à faire. Fait que là, j'ai dû mettre des petites barrières, ou que pour que tu sois capable de passer à l'activité suivante, il faut qu'il y ait au moins complété l'activité précédente. Puis, donc, c'est ça. Ça devrait prendre, j'avais estimé, de 4 à 6 heures. Puis à date, je ne sais pas comment que ça se déroule, si le monde le font sur le réseau, puis si ça prend de... Si ça prend 30 minutes ou 10 heures à faire, ça, là, présentement, j'en ai aucune idée. Mais le but, c'est de les mettre, par un jeu de rôle, les mettre en pratique pour qu'ils puissent essayer des affaires, puis essayer de leur laisser le libre arbitre tant qu'au choix des différentes commandes, des fonctions qu'ils vont utiliser dans les logiciels, mais toujours des logiciels de base. Puis après ça, ben, l'idée d'après, c'était peut-être d'aller avec la session d'apprentissage qu'on avait fait avec Patrick Beaupré, qui était là justement, c'était un petit projet d'équipe dans 50-84. Qui est encore là aussi pour mettre les élèves en action avant de commencer la FBD, puis le mettre dans plus un projet d'équipe. Donc, mais là, dans ce cours-là, dans cette situation-là, il n'y a vraiment pas de notion-là. Vraiment, l'élève va aller choisir. Donc, c'est petit à petit, on l'amène vers une autonomie. Idéalement, ça serait de faire les trois ensemble, mais là, vers le trois ensemble, on va peut-être se retrouver que ça fait un autre cours aussi. Mais bref, c'était l'idée dans laquelle je m'étais rendu pour essayer de faire ça. Là, ça a été mon premier essai dans des choses comme ça, dans de l'interactif. Je pense que des fois, ça se perd en longueur. On peut peut-être se perdre, mais je vais essayer d'arranger ça pour avec des commentaires si jamais on en a. Et voilà, je pense que ça fait le tour. Ça, Alain, les élèves qui vont là-dedans, ils ne s'inscrivent pas. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils ne s'inscrivent pas. Donc, ils vont là, puis ils font comme dans une seule séance, parce que s'il ferme puis il retourne, il faut qu'il recommence au début? Ma réponse, ça serait oui. Ça ressemble, je vais dire oui, parce que oui, en effet, il va falloir qu'il recommence au début, sauf qu'il a été fait avec SCORM. On peut mettre un package SCORM sur le site d'Alexandrie, où je peux le mettre, puis si un enseignant ou une commission scolaire le met sur leur Moodle ou autre plateforme, tu prends le SCORM, je pense que j'ai fait dans l'ancien, le 1.2, là, ça va garder des traces des élèves. Mais le package est prêt, il est zippé, c'est juste, vous l'envoyez, là, ça pourrait fonctionner. Fait que là, l'élève revient, puis en rentrant dans le Moodle, ça le remet dedans, là. Puis là, l'enseignant, lui, il n'y a aucun... il ne reçoit aucune information de ça, de son élève. Si ce n'est pas qu'il le mette dans un Moodle. C'est ça, à moins qu'il le mette dans un Moodle ou que tu sais, avec Insight qui aille voir ce que l'élève fait en classe, mais la fois que l'élève peut le faire chez lui aussi. Fait que c'est, non, vraiment, ça dépend d'habitude, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune vision de ce que l'élève va faire. Mais tu sais, ça peut se rajouter, on peut faire par exemple que l'élève, suite à ça, il y a quand même soit des notes à prendre en le faisant, ou soit une évaluation ou quelque chose comme ça suite à l'activité. Il y a toujours quand même des choses qui peuvent être ajoutées si on veut que ça devienne une situation d'apprentissage où l'enseignant a quand même un regard dessus. Ah oui, bien, de toute façon, l'élève doit produire un courriel, doit produire une lettre, doit faire un tableur dans Excel. Fait que ça peut-être être ces documents-là qu'on peut prendre. Il y a une base de données à trier. J'ai mis 1000 noms dans la base de données pour qu'il puisse choisir le monde qu'il va sauver avec lui ou avec elle de l'anéantissement de la Terre. Ça aussi peut l'imprimer. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent s'imprimer, mais ça se peut qu'il n'imprime pas. Puis s'il n'a pas imprimé, puis il n'a pas enregistré ou c'est pas sur un Moodle, c'est à recommencer après. Là, tu sais. D'accord. Mais c'est bien quand même, j'ai trouvé ça super beau. Hein. Bien, merci Alain. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au projet Exodus? Je voudrais mettre le lien. Oui, Marie-Claude? Oui, je voulais savoir si avec le projet, il y avait une liste des savoirs qui sont sollicités ou des connaissances avec des situations d'apprentissage, mais tu sais, s'il y a un listing des choses que l'élève devrait normalement maîtriser.
Oui, c'est que là, vois-tu, c'est ça, tu viens de me faire passer, c'est un problème que je dois régler. Pas la liste, ben oui, peut-être la liste, mais c'est que la manière que j'ai conçu, que je l'ai fait, pour éviter que les élèves traversent tout leur projet au complet en dans 10 minutes, il faut qu'ils réussissent chacune des étapes, puis ben, qu'ils réussissent qu'ils aient terminé chacune des étapes. Sauf que là, j'ai mis comme le guide de l'enseignant à la fin. Il s'appelle le carnet, attends, j'ai oublié le nom là. C'est le carnet de l'enseignant, je pense. Non, l'espace enseignant. Mais c'est à la fin. Puis quand j'ai fait ça, j'ai pas pensé que l'enseignant aussi, faut qu'il passe au complet pour y arriver. Ça, c'est un peu nono de ma part, là. Fait que là, il faudrait que je le mette au début, par exemple, ou sur le côté, mettre un lien que ça l'ouvrirait sur un document à côté. Mais c'est que j'avais mis ça dedans pour que les enseignants puissent se rendre directement là. Mais là, présentement, c'est pas directement. Il faut qu'ils tapent tout le processus. Ça, c'est un changement que je dois faire. Puis en même temps, mais je vais aller vérifier si la liste était là. J'avais mis des grandes connaissances, mais est-ce que j'avais mis la liste des savoirs? Ça fait un bout, je l'ai fait, je ne me rappelle plus. Je sais, j'ai travaillé avec des listes, mais est-ce que j'avais mis exhaustivement dedans? Je ne me rappelle plus. Je vais les regarder, puis au pire aller, je peux le rajouter aussi. Donc, on va poursuivre avec les cours à faire dans vos centres. Matériel utilisé, retour sur l'évaluation. Ce que je peux vous dire, c'est le INF 5067. Vous savez qu'avec la commission scolaire Rivière-du-Nord, il y avait un matériel qui avait été fait, mis sur un site, là, mes cours d'informatique. J'ai eu, je crois, quatre personnes, je crois, au moins, que j'ai eu, qui m'ont communiqué comme quoi ils ont pris le matériel pour refaire des parcours dans d'autres sites. Donc, moi, je trouve ça super le fun, là, que le matériel, il se diffuse comme ça. Donc, il y a, à ma connaissance, un cours qui est fait à Shawinigan sur un Google Site, un cours qui est fait à Pierre-Neveu sur un Wix, puis un cours qui est fait par Mathieu Bérubé sur le Moodle TIC-FGH. Je lui ai demandé, parce qu'il n'est pas là, je lui ai demandé de mettre le lien. J'ai fini par le trouver dans le Moodle, puis il est accessible pour les élèves. Et puis, il y a des sections réservées aux enseignants. Donc, là, moi, j'ai eu le courriel seulement ce matin. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Mais le cours est aussi monté dans le Moodle, ce qui peut être aussi utile là, pour les enseignants qui travaillent avec ça. Puis, je pense qu'il y a à quelque part d'autre aussi, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, là, je ne me souviens pas. Là, si, je pense qu'ils ont fait un Moodle dans leur propre centre aussi, mais celui-là, je ne me souviens pas vraiment. Donc, c'est un cours quand même qui est utilisé un peu partout. Il y a quand même des commissions scolaires qui utilisent le livre de logistel pour le cours. Je voulais savoir s'il y en a d'autres qui utilisent, qui offrent le cours 50-67 ou d'autres cours, puis quel matériel ils utilisent, puis comment ils travaillent avec ça, c'est une des plateformes. Donc, je vous laisse la parole. Chacun peut dire ce que vous faites dans vos centres. Marie-Josée. Ah, je vais me lancer. Ben, c'est ça, Shawinigan, ils utilisent tout le temps Google Sites, tout le temps, tout le temps. Puis, ils ont développé, ben, ils ont travaillé avec le 5067, 68, 69, le tableur, c'est avec Logitel. Il faut pas que je me baigne dans mes sigles, vous allez me ramener, là. Mais le 3D, c'est 76 ou 75, là, de même, là, là. En tout cas, un des deux. Fait que, 75, c'est infographie matricielle, OK. donc ça doit être J'ai moins joué dans ces cours-là, là, mais on le donne. C'est une de nos enseignantes, là, Catherine Perry, qui a développé ça avec SketchUp. Puis ça faisait des années qu'elle demandait une imprimante 3D. Hein. Fait que là, elle l'a eu cette année, puis elle est super heureuse. Puis ça fonctionne très bien. Les élèves, là, on a quand même. C'est pas un gros centre, là, mais on a des beaux projets de réaliser. Il y a le 2D aussi. Le 50-78. Puis c'est tout le temps encore en Google Site, puis le 5078, c'est notre épreuve. C'est assez là. Ouais, vite, vite de même. C'est PowerPoint, oui. Ouais, PowerPoint, 5080. Juste me rappeler, là, on dirait je perds le fil, là, 5080, c'est le multimédia. C'est pas les systèmes d'exploitation? Ça, c'est Non, 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 5081. c'est oui, c'est ça, multimédia. Ben, 5080 aussi, on le Ouais. donne là avec. On s'était basé sur le site de Patrice Tourangeau, Tourangeau, je ne sais pas quoi. Il nous avait donné Tourangeau, oui, Patrice l'accessibilité. Tourangeau. Oui. Donc, je vais aller le marquer là, dans le document collaboratif, qu'est-ce qu'on donne plus clair. Là. Mais ça va bien, puis ça va super bien avec les élèves. Puis, je peux dire aussi, le programme de la QFGA, du congrès de la QFGA est sorti.
Je pense qu'à partir de demain, on va pouvoir s'inscrire. Et puis, Catherine va justement animer un atelier où elle va présenter ses causes matérielles. Je crois que ça va se dérouler le jeudi matin de l'atelier de Catherine. Donc, ça va être un atelier à aller cocher rapidement pour voir tout ce qu'elle a fait. Autre partage? Gilles? Oui, bonjour tout le monde. Nous, chez nous, on n'a pas expérimenté les nouveaux cours encore, mais pour septembre, on voudrait bien tenter les cours, les quatre premiers cours, là, 50, 67, 68, 69, 70. Donc, on est avec deux enseignants ici, moi et mon collègue Richard Pinchot. On s'assoit avec deux enseignants, puis on fait le tour là, du matériel qui existe. Puis on va essayer de voir s'il y a des choses qui manquent par rapport au savoir, on va produire des choses. Mais la base, c'est on va partir du matériel Logitel, puis on va bâtir autour de ça. Il y a plein de choses qui ont été produites. Là. Je vois ici là, dans mes notes le cours de Stéphanie Guérin. Donc, ça, c'est dans ton coin, je pense, Louise, Sainte-Christ-Roy. Donc, il y a plein de situations aussi, des situations d'Alain. Donc, on fait le tour pour se monter un itinéraire. On peut-être utiliser notre site des élèves pour déposer des choses. Donc, on pourra partager ce qu'on a avec vous par la suite. Bon, on planche aussi sur un cours de robotique qu'on donnait déjà ici. Comme cours local, puis on voudrait bien l'insérer dans les cours FBD. Donc, moi et Richard, on va revoir ce cours-là pour l'adapter au développement de compétences en FBD. Donc, on vous tiendra au courant de ça aussi. En gros, c'est ça. Merci, Gilles. Pour robotique, ben là, il y a Jean-François Ouellet qui va prendre la parole, mais il est donné déjà depuis 2 ans, puis on a fait une évaluation. Moi, j'avais fait une évaluation qui avait été donnée aussi par Joanne Fauché à la chute, puis on s'est aperçu en donnant l'évaluation à l'élève que c'était un peu trop compliqué, donc j'ai refait l'évaluation. Donc, on a une évaluation si quelqu'un veut aussi donner le cours de robotique, c'est avec NXT ou EV3, là, il peut se faire avec les deux. Donc, Jean-François, je te laisse la parole si tu veux ajouter aussi là-dessus. Mais de notre côté, je pense que dans le fond, on a déjà présenté un peu ce qu'on faisait. La majorité des élèves sont dans le programme, surtout bon, 50-67, surtout. Et sinon, on donne 50-80, 50-83, 50-75, 50-78. Sont toutes aussi accessibles via les deux sites. Le site de Stéphanie Guérin qui est partagé en un volet bureautique et un volet plus multimédia. On s'apprête, c'est ça, à vouloir continuer quelque chose avec Arduino aussi. On est en développement, là, mais il n'y a rien qui s'est passé. C'est un projet de développement ici. Sinon, il n'y a pas d'autres développements de. C'est beau, Jean-François. Je ne sais pas s'il y avait des difficultés un petit peu à t'entendre parce qu'il y avait un retour de son. Mais si tu veux inscrire dans le document collaboratif, je ne sais pas si Marie-Josée a tout entendu. Mais en gros, ce que disait Jean-François, là, c'est que les volets, il y a deux. Tout est en ligne sur les sites de Stéphanie Guérin. Donc, un volet bureautique et puis un volet multimédia. Donc, les cours qui se donnent, il y a les cours de traitement de texte tableur, les cours de infographie matricielle, multimédia, robotique, entre autres, là, qui sont donnés, puis qui sont en train de développer les cours de programmation aussi. Donc, Stéphanie m'a informé qu'elle a reçu son Arduino. Je vais la voir là, d'ailleurs dans 2 jours, donc on va regarder ça. Puis, je pense qu'ils ont aussi production de matériel pour le web. On parle des sites avec Wix et tout ça, mais là, je ne sais pas, je n'ai pas compris s'il y avait des élèves qui faisaient le cours déjà et s'il y avait des examens déjà aussi pour ça. Mais je sais qu'il s'est monté sur le site de Stéphanie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait dans la toute petite commission scolaire Pierre Neveu avec une enseignante et Jean-François qui l'accompagne beaucoup là-dedans. Merci, Jean-François. On va mettre les liens aussi des sites, mais je pense que vous les avez déjà, là, les sites de Stéphanie, on pourrait les rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres expériences à partager? Je pense qu'il y avait beaucoup de messages aussi dans le clavardage. Je n'ai pas le temps d'aller les voir. C'est beau.
Ben, c'est ça, je pense que comme à Trois-Rivières aussi, le Marc-Claude a marqué, nous débutons d'ici la fin de l'année. Ils sont encore à l'étape de l'analyse du matériel. Oui, j'avais une question pour Julie. C'est une discussion que j'ai eue la semaine dernière, je crois, avec Joanne Fauché par rapport au code de cours. Si un élève a fait des codes de cours dans l'ancien programme, par exemple, qui a fait le INF 5056 dans l'ancien programme de traitement de texte 1, puis là, est-ce que s'il fait traitement de texte 1 dans le nouveau programme, il y a deux crédits ou le crédit, c'est, en tout cas, est-ce que c'est cumulatif ou pas? Voilà. Je ne sais pas si Julie, tu peux me répondre là-dessus, s'il y a des amalgames possibles et d'autres impossibles. Je vais répondre que je ne le sais pas, mais il me semble que j'ai déjà posé la question à Martine, mais je vais la reposer là, parce que c'est quand même un peu confus là, tout ce bout-là. Mais je sais qu'il y a une procédure là, pour ceux qui étaient dans l'ancien programme. Puis il me semble que oui, ça cumule, mais je vais quand même me valider là, avec Martine sur ce sujet-là. Là, je l'ai pris en note. Là. OK? Merci. Je pense que dans Charlemagne, il y a quelqu'un qui dit qu'on pouvait mettre les deux. Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu ça. Je pense ça, que je... oui, moi aussi, mais ouais. Je vais m'en... Donc, il y avait deux autres sujets. Il y avait test diagnostic. Je ne sais pas trop, il y a un point d'interrogation. Je pense que c'est quelqu'un, à un moment donné, qui m'en a parlé par courriel ou je ne sais pas. Je ne sais plus, puis c'est moi qui ai mis ça là, puis je ne me souviens pas pourquoi. Marie-Josée, est-ce que tu avais un point à ajouter? Dans le fond, c'est Anne-Louise Désir, l'ICP, là, de je ne sais plus où, commission scolaire des sommets. Ben, c'est ça, puis elle m'écrit ce matin, parce qu'elle était supposée être là, puis finalement, elle a eu une réunion, puis je vous le dis quand même, là, mais je vais parler après, là. Nous sommes à la recherche d'un test diagnostique à faire passer à nos élèves avant le début des cours en informatique et ou savoir s'ils ont besoin de cours en lien avec le tableur avant de commencer les cours de chimie ou physique. Nous savons que les exigences du nouveau programme sont plus élevées. Nous questionnons donc le milieu à savoir si les autres centres en feront passer et s'ils ont commencé à travailler là-dessus. Donc, là, moi, je faisais le lien, c'est sûr, avec les cours de sciences, là. Puis, tu sais, on a donné un atelier au RSP avec Doris Saint-Amand. C'est, tu sais, je me suis plongée un petit peu plus là-dedans, puis on s'entend que les cours de sciences, là, qu'est-ce qui va être utilisé là, pour le tableur, c'est assez minime. Là. Puis Richard Pinchot, qui est là justement, il est allé chercher plein de capsules, puis il a diffusé ça. C'est vraiment génial. Richard, je te lance des fleurs, là, mais ça l'accompagne l'élève, ça l'accompagne l'enseignant. C'est sûr que les enseignants ils vont avoir beaucoup de ressources là, pour s'aider là-dedans. Là, mais pour ce qui est des cours, on en a parlé aussi, est-ce qu'on devait mettre ça... le cours d'informatique obligatoire pour faire les cours de sciences, on croyait que non. Mais j'aimerais quand même ça savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, moi aussi. Je sais que Doris Saint-Amand a dit qu'elle, c'était pas... personne ne pouvait obliger, en fait, de suivre tableur 1 pour faire les cours de chimie physique. Puis que selon elle aussi, les notions qui ont besoin pour faire le chimie physique sont vraiment très, très minces. Là, en fait, l'élève n'a pas vraiment besoin de savoir. Si ça peut rassurer les élèves qui sont anxieux, parfait, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas non plus, on ne peut pas l'exiger, ce n'est pas un préalable. On ne peut pas le faire. Jean-François? Ben dans le fond, c'est ça, nous, on a des élèves qui ont commencé en chimie en 50-31. J'ai regardé, c'est ça, dans les examens de chimie, ils ne donnent pas le choix de faire les tableaux avec ou sans tableur. Et c'est vraiment dans les, c'est sûr qu'on peut prendre, on peut dire à l'élève qu'il n'est pas obligé de le faire, mais dans l'examen, c'est quand même clairement écrit qu'il doit produire le tableau avec un tableur Excel. Puis est-ce que tu as des élèves qui l'ont fait l'évaluation jusqu'à maintenant? Écoute, ça devait se passer aujourd'hui. Puis là, ben, dans le fond, il y a un retardement là-dedans. Fait que non, ça va être retardé même à plus tard. Fait que ce ne sera pas tout de suite. Mais
il a fallu se plonger dans ça assez rapidement. Donc, la version d'examen qui était faite, le prototype pour chimie 5061, moi, je l'ai évalué, je pense que c'est bien, c'est faisable aussi. Mais évidemment, pour avoir déjà introduit les tableurs Excel en physique à cause de la robotique, les élèves, ils savent pas comment travailler avec ça, donc ça va leur prendre inévitablement une mise à niveau Excel à quelque part, puis ça pourrait être un cours d'informatique. Moi, je pense vraiment que ça devrait venir avec, là, parce qu'au secondaire, ils font pas ça. Si on produit une situation d'apprentissage, par exemple, parce que ça, c'est juste pour la partie pratique, en fait, qu'il y a besoin d'Excel. Donc, si on produisait pour la chimie, la physique, une situation d'apprentissage où l'élève doit utiliser Excel, il pourrait aussi avoir sa formation-là si l'élève tient pas à faire le cours. Moi, c'est sûr, je serais comme plus porté à dire « fais le cours Excel », mais si, par exemple, pour une question de temps, par exemple, c'est un élève qui est déjà au cégep ou des choses comme ça, peut-être que aussi ça peut être montré juste dans une situation d'apprentissage en laboratoire, en fait, dans le cadre de son cours de chimie ou de physique. Tu penses que ça serait possible, François? Mais la possibilité, oui. C'est sûr que c'est une possibilité. Par contre, est-ce que ça revient à l'enseignant de sciences de, tu sais, parce que finalement, il faut repartir de la base. Ils n'en ont vraiment pas de connaissances Excel. Faire des formules, travailler avec ça. C'est sûr que pour moi, si je réponds personnellement ici, moi, je suis ici 4 jours, je suis dans le laboratoire, c'est facile pour moi de leur montrer. Est-ce que ça va être la même chose dans tous les centres? Mais c'est sûr que s'il y a un technicien qui est là à temps plein, c'est une possibilité de faire seulement une mise en situation, une situation d'apprentissage incluant la démonstration d'Excel et compagnie. Mais sinon, advenant le cas que c'est l'enseignant science qui chapeaute aussi le volet laboratoire, je pense que c'est préférable de l'inscrire carrément dans un cours d'Excel. Je pense que c'est important ce que tu viens de dire, Jean-François, parce que le fait que maintenant les élèves vont avoir une partie d'évaluation où ils vont devoir utiliser Excel, on se dit, est-ce que l'élève va avoir besoin de suivre un cours Excel? Peut-être pas tant que ça, mais est-ce que l'enseignant va avoir besoin que son élève suive un cours Excel? Parce que ça va peut-être être aidant plus pour l'enseignant, peut-être, ou autant pour l'enseignant que pour l'élève, mais peut-être plus pour l'enseignant qui n'aura pas le temps de lui montrer. Puis que peut-être c'est justement qui est là l'intérêt d'offrir ce cours-là aux élèves, pour pas que l'enseignant de science ait cette tâche-là en plus à faire. Oui, c'est ça. Tout à fait. Là, il y avait Julie et Marie-Josée qui avaient des interventions. Merci, hein, Jean-François. De rien. Vas-y, Marie-Josée. Merci, Julie. Joanna disait, je fais juste lire qu'est-ce qui est dans le clavardage. Joanna disait, un élève qui va au cégep devrait obligatoirement avoir INF 5067, super logique. Et ceux en sciences devraient faire le INF 5069, on est en 2018, ça devrait être un minimum. Elle a super gros raison. Puis ça, c'était revenu là au RSP, sauf qu'il ne voulait pas le mettre obligatoire au profil comme préalable, là, parce que c'était logique aussi. Richard Pinchot, pas de cours d'info aux jeunes, c'est une transversale, encore là, c'est correct. Mais comme je vous dis, là, Richard, qui nous écoute, ça serait le fun si tu allais mettre ton lien de vidéo dans le clavardage, puis on le mettra dans le document collaboratif, là. Puis on s'en... Puis, attends, je vais continuer, là, le clavardage. Là, à Trois-Rivières, pour le programme actuel, pas le renouveau, il est exigé que tous les rapports de lab en chimie et en physique soient rédigés à l'ordinateur, ce qui inclut Excel. Les élèves l'apprennent avec l'enseignant, des capsules et parfois l'enseignant d'info. Merci. Merci, Richard. Parfait. Bien, c'est sûr que si c'est un apprentissage, en évaluation, on va le faire en apprentissage, comme pas vraiment le choix. Mais je vous le dis, là, sincèrement, allez voir les capsules que Richard a répertoriées, là, puis c'est super clair. On s'en rappellera plus tard. Mais tu sais, Joanne a raison à 100% aussi. Julie?
C'est probablement la même chose que Richard. Je n'ai pas été voir ces liens, là, sur Office 365, là, il y a plusieurs capsules vidéo justement sur Internet, sur Excel, sur Word aussi. Là, puis habituellement, c'est assez bien fait là, parce que c'est sûr qu'on s'entend que ceux en sciences, c'est quand même pas là, des fonctions élaborées d'Excel qui ont à utiliser. Là, fait que ce serait probablement suffisant. Fait que c'est ça. Alors, j'irai voir les capsules à Richard, c'est peut-être les mêmes là, que celles que j'imagine. Il reste un dernier petit point, il reste 3 minutes. Vous avez parlé d'INF 5082, programmation avec Arduino. IDE, qu'on dit, ou ID, je ne sais pas comment le prononcer. Donc, c'est de la programmation qui ressemble un peu au langage C. On est au tout début, mais ça aussi, c'est un projet avec, Patrick Beaupré et Jean-Simon Garner qu'on a commencé à plancher un petit peu là-dessus. Puis donc, on va essayer de produire quelque chose, d'avoir un cours peut-être pour l'automne pour la programmation. Ça peut être intéressant, les élèves qui s'en vont dans des programmes informatiques. Puis il y a beaucoup, beaucoup de demandes là-dedans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis on travaille avec Arduino. Mais ce n'est pas tellement pour faire de la robotique, c'est vraiment pour faire travailler la programmation, le langage de programmation. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que oui, il y a des cours d'informatique qui seraient préalables aux cours de sciences, mais si on fait programmation avec Arduino, là, je pense que ça serait le cours de sciences en secondaire 4 pour l'électricité qui serait préalable aux cours de programmation parce que c'est vraiment travailler sur les circuits parallèles et en série en électricité aussi. Donc, ça va venir aussi donner plus de concret au cours de sciences. Ça peut être mis aussi en même temps, là, que l'élève qui fait son cours d'électricité, le 4061 qui fait en même temps son cours d'informatique, de programmation. Il y avait Patrick qui avait une intervention. Oui, puis en plus, il y a Annick Fortin et Michel Lacasse là, qui sont vraiment intéressés. Eux aussi attendent leur petit bidule impatiemment, là. Mais oui, il faudrait trouver un endroit là, ou une manière, comme je parlais avec eux autres, pour que tout centraliser au même endroit pour pas qu'on réinvente la roue. Donc, je ne sais pas comment trop. Moi, j'ai mis beaucoup de choses dans un Google Drive avec des liens et tout et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent déjà, puis c'est quand même facile de prendre. En tout cas, Louise, je ne sais pas si tu as regardé ce que. Notamment Arduino à l'école, c'est vraiment une courbe d'apprentissage vraiment facile. Là. Tu commences avec une DEL, puis évidemment, par exemple, là, le cours d'électricité, ça serait important, ou au moins d'avoir une certaine notion là, au moins de ce qu'est un circuit, là, pour savoir quand ton circuit est ouvert, puis quand ton circuit il peut pas fonctionner justement parce qu'il est ouvert. Mais il y a évidemment énormément de choses à faire avec ça. Puis je regardais nos collègues du récit MST, là, puis eux, ils vont vraiment chercher en maths et compagnie, puis en sciences. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là, il y a programmation, évidemment, là, mais il y a beaucoup d'autres choses avec lesquelles on peut aller travailler. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai donné une formation à des enseignants là, 2 semaines, puis les enseignants... J'ai fait une partie peut-être un peu trop longue sur la théorie, la relation programmation avec le programme, là, les compétences et tout, ils ont dit que c'était peut-être un peu trop long. Fait que ça serait à rapetisser, mais aussitôt que tu le mets main sur les touches, là, c'est captivant. Oui, puis c'est du matériel qui coûte vraiment pas cher. On peut acheter, moi j'ai acheté le kit de base, mais avec le livre, là, les 70 projets. Il y a toute une explication aussi là, de la base d'électricité là-dedans. La traduction est excellente, c'est vraiment bien fait. Puis, on peut acheter aussi d'autres matériels, puis rajouter des capteurs et tout ça. Oui. Quand même, c'est pas cher, ça arrive très rapidement. Je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose qui peut être offert dans les centres. Puis, il ne faut pas non plus être inquiet là, si vous n'avez pas d'expérience en programmation. Ça s'apprend quand même bien, là. Il n'y a pas vraiment de problème non plus pour ça. Mais ce qui va rester à faire, oui, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de guides et tout ça qu'on peut suivre pour apprendre. Mais il va falloir quand même faire un genre de structure avec des situations d'apprentissage, de valider une évaluation aussi avec ça.
Donc, il y a tout ce côté-là qu'il va falloir peut-être regarder pour mettre, parce que juste mettre les guides qu'on retrouve en ligne puis remettre entre les mains des élèves, à mon avis, oui. Ça ne sera peut-être pas suffisant pour aller chercher les attentes de fin de cours, par exemple. Donc, c'est tout ça à regarder. Il y avait une intervention de Julie, puis ensuite de Marie-Josée. C'est vraiment bon, je vous trouve vraiment bon. Arduino, vous prenez le langage qui fournit ou vous travaillez avec Scratch à ce moment-là? Pour ma part, j'ai préféré aller du côté du langage programme, là, du programme IDE. C'est un petit programme qu'on installe sur l'ordinateur, mais on peut travailler en ligne aussi. Parce que je vais le travailler dans le cadre du cours de programmation. Donc, il faut que ça soit du langage de programmation avec entrer les codes. Donc, si on travaille avec Scratch, je trouve que oui, ça fait une bonne base peut-être pour certaines structures, mais je trouve qu'on passe un petit peu à côté du but du programme là, si on veut travailler le INF 5082, parce qu'il faut vraiment taper le code. À mon avis, en tout cas, d'après ce que je comprends dans le programme, il faut taper du code, puis ça ressemble au langage C, qui est un langage, je pense, qui est quand même pas mal utilisé. Ça veut dire que vous pourriez utiliser Arduino pour téléguider votre robot NXT. Oui, après, oui. Mais le but du programme, là, pour l'instant, moi, c'est vraiment de... Parce que c'est du code. Comment on rend du code? Parce que c'est tout ça. Tu sais, il ne faut pas oublier le point-virgule. Il ne faut pas oublier de fermer la parenthèse. Puis tout ça, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est tout ce côté structure de programmer, en fait, quelque chose. Là. Donc, je pense que c'est ce côté-là que je veux travailler avec Arduino. Là. Puis, ça ne ferme pas la porte à d'autres langages de programmation parce qu'on peut, dans le cours, voir deux programmes. On pourrait voir aussi une autre, voir du HTML, du JavaScript ou des choses comme ça, de comparer. Puis, que l'élève voit que quand il connaît un langage de programmation, après, c'est facile d'en apprendre un autre. Parce que les mots, ça ressemble un peu, la structure, ça ressemble. Une boucle, ça reste une boucle, là, si on ne l'appelle pas toujours pareil d'une à l'autre ou définir des variables et tout ça. Donc, c'est tout ce côté-là, je pense, qui est intéressant pour le cours de 82. Donc, il ne faut pas se baser sur... L'apprentissage de la robotique. La robotique, on peut l'utiliser dans un autre cours, mais c'est vraiment de la programmation. Mais c'est bien parce que c'est sûr qu'en utilisant un langage de même, ben là, s'ils veulent continuer ensuite, là, ils ont vraiment là, les bases, là, plus là, des algorithmes là, de programmation. Super, bravo en tout cas. Il y avait Marie-Josée, je ne sais pas si c'est une vieille mère. Non, c'est pas une vieille mère. Puis il y avait Richard aussi qui... C'est juste pour savoir si le matériel, il va être disponible, là. Ah, ben oui, OK. Excusez, je n'ai pas parlé. Je l'ai transféré aussi dans le document collaboratif. Merci, Patrick. Puis évidemment... puis oui... Richard? Ah, excusez. Oui. Bon. Ben, vas-y, finis, là, Patrick, puis... Non, mais je disais juste que c'est vraiment pas dispendieux là, pour quatre ensemble. Là, ça m'a pas coûté 200$ avec des capteurs, des résistances, des petits fils, des plaques, des plaques de les breadboards en bon français. Là. Ça fait que c'est vraiment très abordable comme coût. Ça prend pas de place, c'est tout petit, j'en ai un ici. Hein. C'est vraiment tout petit. J'ai pas besoin de voir. Richard? Moi, j'ai expérimenté avec des collègues aux jeunes Arduino. Puis ce qu'on aimait avec Blockly, c'est qu'on peut faire des allers-retours entre le vrai code puis Blockly. Donc, on programme avec un genre Scratch. Ça ressemble beaucoup aussi sur la base de Scratch. Mais ensuite, on peut aller vérifier le vrai code. Donc, je pense que pour l'apprentissage du code, c'est plus facile pour les élèves de partir d'un code qui est plus, je dirais, visuel, aller voir qu'est-ce que c'est en arrière. Ça peut être une approche pédagogique, en fait, de dire on travaille l'approche comme ça. Je pense que ça va être un choix dans les situations d'apprentissage, de dire est-ce qu'on part avec du pseudo-code pour après ça amener au code ou on commencerait avec le code. Je pense que ça va être le choix de situation d'apprentissage qu'on pourra proposer. Oui, c'est intéressant quand même. Là, il est déjà dépassé, il est midi 6. Je pense qu'on va devoir poursuivre une autre fois.
Donc, ça terminerait la rencontre. Moi, qui ai des interventions de dernière minute, donc je terminerai la rencontre. Donc, merci à tous. On va communiquer avec vous quand la vidéo va être en ligne. Donc, merci beaucoup.